So indeed, the Ometer Ring is building since the more than one decade successful fixed radio networks for metering, and also at a very high quality of service. Even we are successful, there's always some meters we don't get, and this definitely MIoT will solve. So the major benefits by this, by MIoT, is where it's very robust against any interference. It's very scalable in terms of capacity. You can have many ten thousands of meters in a network, and it's power efficient still. This means we can really transmit the data regularly. Yeah, we don't have only to do one radio transmission per day, but we can do it every hour or even more often. And this is a big benefit compared to other technologies where you only can transmit once per day or every few hours. You have the data available and you can make actions based on that. L'idée derrière MIoT, c'est de prendre le message, on va le dédoubler, on va le mélanger et on va découper des petits morceaux. Et chaque petit morceau va être émis à une fréquence différente, à un moment différent. Grâce à ça, on n'a plus un trait unique qui va être transmis, mais un nuage de points. Si 50% du message est détruit, de l'autre côté, on va quand même recevoir l'information. Et grâce à ça, on va garantir que malgré les perturbations qui peuvent arriver, malgré une fréquence en particulier qui va être perturbée, ou un moment spontané où un autre compteur va émettre et va gêner une fréquence en particulier à un moment particulier, on va quand même recevoir toutes les trames. Et c'est ça qui change la donne. On va être capable de parler en même temps à plusieurs compteurs, à plusieurs capteurs, même si quelqu'un d'autre parle, même si une autre installation à côté perturbe la transmission. Aujourd'hui, MIoT propose une approche radicale qui est une approche qui garantit la sécurité des données à tous les niveaux. On parle de chiffrement point à point entre chaque nœud et la gateway, entre chaque gateway et l'infrastructure, mais on parle aussi de chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un système chiffré de point à point qui va contenir des données qui elles-mêmes sont chiffrées. Et on ne parle pas juste de chiffrement, mais d'intégrité. C'est-à-dire qu'il y a une signature, on a la garantie de savoir qui a émis, quoi, quand. Et cette donnée, seul le serveur peut la lire. La protection des données est primordiale et on a vraiment quelque chose à la pointe de la technologie qui nous permet aujourd'hui de garantir que ces données sont nos données et que personne d'autre n'y a accès. The MIoT Alliance is really focusing on standardization. That means MIoT itself is ETSI 2.0 certified. And what I can tell you today is further ones are upcoming. What the MIoT Alliance does here is really having liaisons with other big players in standardization in different industry sectors when it comes to IoT. And we will have here some announcements very soon, not just like on a technical specification wise, but also very soon with product.